Quelle est l'histoire génétique de la domestication du chat? Depuis quand sont-ils devenus des animaux domestiques? Le sont-ils vraiment? Comment ont-ils conquis le monde? Comment ont-ils évolué pour mieux tolérer les humains? Quelles maladies peuvent-ils vous transmettre? Quel est leur impact sur la biodiversité? Loin devant le chien, le chat est l'animal de compagnie le plus répandu dans le monde. Ils sont présents partout sauf en Antarctique. On estime leur nombre entre 200 et 600 millions de chats. Rien qu'en France, leur nombre est estimé à 14 millions, soit approximativement deux fois plus que les chiens. 30% des foyers de l'Hexagone possèdent au moins un chat. Les chats sont très recherchés comme animaux de compagnie, mais pas seulement. Vous serez peut-être étonné de savoir que dans certains pays comme la Chine et la Suisse, ils sont aussi abattus pour leur fourrure. Dans le sud de la Chine et quelques pays d'Asie, plus de 4 millions de chats sont consommés chaque année pour leur viande. Mais d'abord, qui est cet animal si mignon qui est devenu une vraie vedette sur Internet et pour lequel beaucoup de personnes éprouvent un amour inconditionnel? Quelle est l'origine des chats? Les chats appartiennent à la famille des félidés qui compte aussi les tigres, les lions, les léopards et autres félins. En dehors de la taille, ces félins ont très peu de différences morphologiques entre eux, ce qui a beaucoup compliqué leur classification. Ce n'est qu'au cours des 20 dernières années, avec le développement des méthodes de séquençage de l'ADN, que les chercheurs ont enfin pu proposer une classification phylogénétique fiable des félins. L'ancêtre de tous les félins est apparu il y a 10,8 millions d'années et l'ancêtre de tous les chats domestiques et sauvages est apparu il y a 3,4 millions d'années. À partir de cette date, l'évolution des chats actuels s'est principalement produite dans la région du bassin méditerranéen. Il y a quatre espèces de chats sauvages. On s'intéressera seulement à la dernière, Felis sylvestris, qui a donné le chat domestique. Dans une étude parue dans la revue Nature Ecology en juin 2017, la chercheuse Eva-Maria Gigel et ses collaborateurs ont retracé l'histoire génétique de cette domestication. Cette étude est basée sur l'analyse de l'ADN ancien, plus de 230 spécimens répartis sur plus de 10 000 ans. Même s'il existe plus de 90 races de chats dans le monde, qu'ils soient sauvages ou domestiques, ils appartiennent toutes à une seule et même espèce, Felis sylvestris. Celle-ci comporte 5 sous-espèces de chats qui peuvent s'hybrider entre elles et avoir des descendants fertiles. Le chat domestique, Felis sylvestris catus, le chat sauvage d'Europe, Felis sylvestris sylvestris, le chat sauvage d'Afrique du Nord, Felis sylvestris libica, le chat d'Asie centrale et d'Asie du Sud-Est, Felis sylvestris bieti, et le chat d'Afrique australe, Felis sylvestris caffra. Mais laquelle de ces quatre sous-espèces sauvages a été apprivoisée pour donner le chat domestique qui vit dans nos maisons? Comment s'est déroulé le processus de domestication? Un article publié dans la revue Science en mai 2004 relate la découverte archéologique du plus ancien chat domestique à ce jour. À l'île de Chypre, dans une tombe datée de 9500 ans, un chat de 8 ans a été enterré dans la même tombe à quelques centimètres du corps d'un homme de 30 ans. Cette découverte montre que l'homme a au moins en partie domestiqué ses animaux depuis presque 10 000 ans. Donc, à cette époque reculée, au début du néolithique, il y a déjà une forte relation amicale entre le chat et les humains. Comment cette relation entre un animal très territorial, de nature très indépendante, qui normalement ne cherche pas la compagnie des hommes, a-t-elle pu être possible? Laquelle des quatre sous-espèces sauvages a été apprivoisée pour donner le chat domestique qui vit avec nous? L'étude génétique montre que ce n'est pas le chat sauvage d'Europe, Felis sylvestris sylvestris, qui a été domestiqué. On ne l'a jamais trouvé ailleurs qu'en Europe. Il y a 10 000 ans, le chat ganté sauvage d'Afrique du Nord, qui était déjà présent au Moyen-Orient dans le croissant fertile, a commencé à s'approcher des habitations humaines. Pourquoi cela s'est-il produit précisément au début du néolithique entre 10 000 et 12 000 ans? La réponse est fournie dans un article publié dans la revue Science en 2007.
Quand l'homme, au Proche-Orient, dont le croissant fertile a adopté l'agriculture, il devait accumuler des réserves de graines et de semences. Ces réserves attiraient beaucoup de rongeurs qui sont les proies de prédilection des chats. Donc, tout naturellement, le chat sauvage Libica a commencé à fréquenter les villages et hameaux sans que l'homme ait vraiment à le chasser ou à l'apprivoiser comme le reste des animaux domestiques. Cette relation amicale était bénéfique pour les humains. Les chats les débarrassaient non seulement des rongeurs, mais aussi des petits animaux dangereux tels que les serpents et les scorpions. Mais elle était aussi bénéfique pour les chats puisqu'ils avaient accès à une nourriture abondante et à un gîte. Contrairement aux aurochs qui ont donné les vaches, aux sangliers qui ont donné les porcs, aux bébés loups qui ont donné les chiens, l'homme n'avait pas exercé une pression de sélection sur les chats sauvages. Ils avaient déjà toutes les qualités souhaitées. Ils étaient parfaits comme ils étaient. Ceci explique le peu de divergence entre les chats domestiques et les chats sauvages. Un chat domestique peut s'hybrider avec n'importe laquelle des quatre sous-espèces de chats sauvages. Ceci explique aussi la nature très indépendante du chat domestique et le fait qu'il garde encore tout son instinct de chasseur. Par la suite, la diffusion du chat Libica à l'origine du chat domestique a été très rapide. Il a suivi la même route de migration que les premiers agriculteurs d'Anatolie. En seulement quelques millénaires, il a conquis l'Europe du Sud, l'Europe centrale et toutes les îles du bassin méditerranéen. À partir du premier millénaire, une lignée mitochondriale du chat égyptien a progressivement remplacé la lignée du chat domestique qui était déjà en Europe. Le chat était très apprécié des marins. Il était un compagnon indispensable dans les bateaux lors des grandes campagnes de navigation, puisqu'il permet de lutter contre les rongeurs qui détruisaient aussi bien les réserves de nourriture que les cordages des bateaux. De navire en navire, de port en port, les chats ont été amenés lors des grandes campagnes d'exploration et de colonisation du Moyen Âge dans les coins et dans les îles les plus reculées de la planète. Les humains arrivaient dans les îles avec les rongeurs, mais aussi avec les chats. Actuellement, en dehors de l'Antarctique, il n'y a plus aucun endroit dépourvu de chats domestiques. Avons-nous vraiment domestiqué le chat ou c'est lui qui nous a domestiqués? Aussi bizarre que paraît cette question, il est légitime de la poser. Après tout, c'est le chat qui s'est approché des humains et non l'homme qui l'a chassé, enfermé dans un enclos et sélectionné génétiquement, génération après génération, comme les autres animaux domestiques. L'homme n'a pas exercé une grande pression de sélection sur les chats, même si au cours du siècle dernier, des mélanges génétiques ont été faits dans le but de créer des variétés. Il y a très peu de différences morphologiques entre le chat sauvage et le chat qui vit avec nous. Le chat domestique peut s'hybrider avec n'importe quelle sous-espèce de chat sauvage. Il garde aussi tout son instinct de chasseur et peut retourner dans la nature à l'état sauvage et survivre sans problème. Selon une étude parue dans Nature en décembre 2012, les chats tuent entre 1,3 et 4 milliards d'oiseaux et entre 6,3 et 22 milliards de petits mammifères chaque année rien qu'aux États-Unis. Selon cette même étude, ce sont les chats arrêts, un terme qui désigne les chats domestiques qui sont retournés à l'état sauvage, qui causent le plus de dommages. D'après une autre étude, publié dans Nature en 2016, au cours des 500 dernières années, les chats ont contribué à l'extinction de 63 espèces d'oiseaux et de reptiles dans le monde. L'impact des chats sur la biodiversité est encore plus flagrant dans les îles, possédant un grand nombre d'espèces endémiques qui n'existent nulle part ailleurs. Des îles comme l'Australie, Madagascar, la Nouvelle-Calédonie ou les îles du Pacifique ont subi et subissent encore des ravages irréversibles dus aux chats à arrêt. Ces petits animaux qu'on adore tant sont un véritable fléau pour la nature. Pour cette raison, vous ne devez pas abandonner votre chat dans la nature. Si vous ne pouvez pas le garder, il est préférable de le confier à un refuge. Il existe un autre côté sombre du chat que peu de gens connaissent ou préfèrent ignorer. Pourquoi les humains ont-ils une telle attirance pour les chats? Pourquoi aime-t-on cet animal si paresseux? Serait-ce à cause d'un parasite unicellulaire qui vit dans les intestins du chat, qui manipulerait notre cerveau, comme il le fait pour celui des petits rongeurs?
Normalement, le sentiment de peur incite les animaux à éviter les situations dangereuses qui mettraient leur vie en danger. Mais les souris infectées par la toxoplasmose, une maladie provoquée par un parasite du chat, agissent tout autrement. Non seulement ils ne fuient pas la vie d'un chat, mais elles sont attirées par lui et recherchent sa compagnie, ce qui bien sûr finit par causer leur perte. Ce comportement permet aux parasites de boucler son cycle de vie et d'aboutir dans les intestins du chat, qui est son hôte définitif. Cette maladie infectieuse, parasitaire, transmise par les chats et d'autres félins, est provoquée par un parasite unicellulaire, Toxoplasma gondii. Le cycle de reproduction du parasite débute dans l'intestin du chat et d'autres félins, les seuls hôtes chez qui il peut se reproduire de manière asexuée. Comme il est éjecté dans les excréments du chat, tout animal en contact avec des poussières ou de l'eau contaminée par ses excréments peut devenir un hôte intermédiaire de ce parasite chez qui il se multiplie par reproduction asexuée. En plus des petits rongeurs, beaucoup d'autres animaux, oiseaux et mammifères dont l'homme peuvent servir d'hôtes intermédiaires aux parasites. D'après une étude dans la prestigieuse revue Lancet en 2004, on estime que 30 à 50% de la population mondiale est infectée par le parasite de la toxoplasmose. C'est même un des parasites les plus répandus dans le monde. C'est aussi le cas d'un Français sur deux. Si vous habitez en France, vous avez une chance sur deux d'abriter les kystes de ce parasite dans votre corps. Le parasite est dans la majorité des cas très bénin. Les personnes infectées ne présentent dans la plupart des cas aucun symptôme. Par contre, il peut devenir extrêmement dangereux pour le fœtus des femmes enceintes. Il peut provoquer des malformations et de fausses couches. Les femmes enceintes doivent éviter de toucher la litière des chats et elles doivent mettre des gants lors du jardinage et éviter de manger de la viande mal cuite qui pourrait contenir des kystes du parasite. Chez une personne saine, après un petit épisode de symptômes similaires à ceux du rhume, le système immunitaire arrive rapidement à contrôler l'infection, mais le parasite reste présent à l'état dormant, à vie, dans l'organisme sous forme de kyste. En cas d'infection par le sida ou d'autres maladies qui diminuent la réponse immunitaire, le parasite peut se réactiver. En 1994, un chercheur épidémiologiste de l'université d'Oxford a mis en évidence un changement du comportement du rat présentant des kystes du parasite. Il recherche la compagnie des chats et éprouve même une certaine attirance sexuelle. Au lieu d'éprouver un sentiment de danger, ils éprouvent un sentiment d'amour. C'est bien sûr une stratégie très avantageuse pour le parasite qui peut finir ainsi son cycle de développement et se reproduire sexuellement dans l'intestin du félin, le seul endroit où il peut le faire. Sans cette étape cruciale, il ne pourrait pas se reproduire. Comment le parasite arrive-t-il à changer le comportement de son hôte? Selon certains chercheurs, le parasite de la toxoplasmose agirait à l'échelle moléculaire au niveau de l'ADN des cellules de cerveau des mammifères pour modifier le comportement. Elle débloquerait certains gènes liés au comportement qui peuvent de ce fait s'exprimer. Selon une étude parue dans Current Biology en février 2016, le parasite agirait aussi sur le comportement des chimpanzés, les mammifères les plus proches de nous. Comme les singes sont chassés par les léopards au milieu naturel, les chercheurs du CNRS, auteurs de cette étude, voulez vérifier si le parasite changeait aussi le comportement de nos proches parents comme il le fait chez les rongeurs. Les chercheurs ont imprégné les enclos de 33 chimpanzés infectés par le parasite ou non d'urine du léopard et de l'urine humaine. Les singes infectés par le parasite éprouvaient une attraction fatale pour l'urine du félin et la reniflaient constamment à tel point que certains léchaient cette urine. Alors que les singes non infectés fuyaient instinctivement l'odeur de cette urine et étaient indifférents à l'urine humaine, mais aussi à celle d'autres félins comme le tigre et le lion qui ne sont pas leurs prédateurs naturels. Le parasite agirait donc pour faciliter la prédation du singe par le léopard pour qu'il puisse finir son cycle. Le parasite doit trouver un moyen pour rejoindre le ventre de son hôte définitif. Il modifie son comportement et le sacrifie du même coup. Mais qu'en est-il pour nous les humains? Les recherches récentes montrent-ils un lien entre une quelconque modification de la personnalité et la présence de kystes dormants du parasite chez l'humain? Il est sûr que les humains infectés ne cherchent pas à se faire manger par les lions, les léopards et autres félins qui ne sont de toute façon plus nos prédateurs naturels depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Le parasite ne gagnerait rien à manipuler notre cerveau, ce serait choisir un chemin sans issue. Les humains finissent très rarement dans le ventre d'un félin, mais comme chez les rongeurs et les singes, ils migrent dans notre cerveau. Est-ce qu'il arrive à changer nos comportements?
Dans une étude parue dans PLOS ONE en 2011, l'épidémiologiste Fleg Jaroslav montre que les hommes infectés trouvaient aussi l'odeur d'urine du chat plus agréable que celle d'autres animaux, mais pas les femmes infectées. Une étude parue en 2002 dans la revue BMC Médecine, réalisée chez 3890 recrues de l'armée tchèque, montre une différence de comportement entre les individus infectés et les individus non infectés. L'étude révèle que les hommes soldats infectés possédant un groupe sanguin négatif provoquaient 2,6 fois plus d'accrochages en voiture que les hommes non infectés en possédant un groupe sanguin positif. Cette étude suggère donc que la toxoplasmose contribuerait avec d'autres facteurs à la prise du risque chez les individus infectés. Toutefois, une hirondelle ne fait pas le printemps. Le peu de recherches sur le sujet et la faiblesse des échantillons étudiés ne permettent pas de trancher la question de l'influence du parasite sur notre comportement de prise de risque. Il est aussi difficile de croire qu'elle dépend seulement d'un seul facteur. Mais le fait que les chats soient des animaux domestiques aussi populaires ne vient-il pas de là? Après tout, cette boule de poils que vous nourrissez, pour qui vous nettoyez la litière, qui dort 14 heures par jour, ne sert plus à grand-chose dans nos villes. Vous n'avez plus de réserves de graines stockées dans votre sous-sol et pour beaucoup d'entre nous, plus de scorpions ou de serpents à craindre. Même si on ne finit pas dans le ventre de notre chat, on facilite quand même beaucoup son bien-être et du même coup celui de son parasite.